vague d'applaudissements pour nos deux finalistes qui vont vous présenter ce soir. Qui vont chacun durer 10 minutes, contrôlés par nos deux secrétaires de jury. Et donc, il y aura premièrement madame en tant qu'acheteuse et en second monsieur. Avec les... Je laisse le micro à Caroline. Donc, moi j'en aurais pas pour longtemps, c'était juste pour faire un petit mot de remerciement. Vous êtes venus juste très très nombreux aujourd'hui, donc merci beaucoup, on est très touchés par cette attention. Encore un grand merci aux entreprises sans qui tout cela ne serait pas possible, celles qui viennent de loin, celles qui sont des partenaires ou qui découvrent l'aventure des négociales cette année. J'espère que vous êtes tous amusés, que vous avez repéré du coup les talents, parce qu'apparemment ils sont nombreux. Donc encore un grand merci et que la finale commence. Bien arrivé dans notre jolie ville de Nancy. Oui. Oui. Bon, joli. Oh, dis-moi pas quand même. Oui, c'est sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Donc on se rencontre aujourd'hui, si j'ai bien compris, pour parler de votre avenir concrètement. C'est ça. Voilà. Donc nouveau tournant, si je comprends bien, dans votre. Ouais. Je change tout. Vous changez tout. Ça marche. Donc je veux, si vous voulez bien, on va commencer par parler un petit peu de vous, qu'on nous renseigne un petit peu sur vous. On va commencer par exemple par votre âge. Eh bien, j'ai 20 ans. Depuis une semaine. Ah, vous êtes bien. Bon anniversaire un petit peu. Merci. Donc vous allez vous arrivez sur Nancy pour faire vos études, si j'ai bien compris. Vous allez faire quel type d'études? Je pars pour un bac plus 2, 3, 4, bon voilà, je verrai quoi. D'accord. Vous avez déjà choisi l'école? Oui. Je suppose. Les tests d'admission se sont bien passés? Oui. Bon, parfait. Cette école, je suppose qu'elle a un coût. C'est ça, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. D'accord. Hein. Est-ce que vous avez une idée de ce coût de... Oui, j'ai été sur internet, en fait je me suis renseignée et en fait voilà, je me suis dit que vous alliez m'aider parce que j'ai vu que le Crédit Agricole pouvait allouer des prêts aux étudiants. Tout à fait, voilà. C'est une spécialité, on aime accompagner les jeunes dans leur développement. Mais par contre, je ne gagne pas d'argent aujourd'hui. Hein. Ça marche, on va discuter de ça après. Est-ce que vous avez une idée par contre du montant de cette école, est-ce qu'elle pourrait vous coûter vos études? Eh bien... elle va pas me coûter grand chose parce que c'est mes parents qui vont payer en fait. Okay. ils sont gentils. Oui, c'est normal, hein. Mes parents, c'est pas bien. Tout le monde. 20 000, hein, moi, sur une pochette de 20 000 euros, ça marche. Ben, ça, c'est 3 ans. Hein. D'accord. Ok, ça marche. Alors, le déménagement, vous l'avez déjà programmé ou pas du tout? Oui. Ok. Oui. Vous allez arriver rapidement sur Nancy? Oui. D'accord. Une fourchette Eh bien, en fait, c'est prévu dans 2 semaines. D'accord. La rentrée de cette école? La rentrée de mon école? Oui, tout à fait. Eh bien, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, ok. Ça marche. Au niveau du logement, vous allez faire comment? Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, j'ai trouvé un petit appart super. Bon, il y a tout à refaire dedans, mais il est chouette. Quand même, vous pouvez faire la déco. C'est ça. Combien? C'est déjà ça. J'ai bien mes parents, il faut tout changer. Hein, parce que c'est vraiment pas... C'est un peu... Bon. C'est pas votre goût, disons. Mais on va tout refaire. Bon, c'est cool. Mais il faut des sous pour ça aussi. Hein, et oui, je comprends bien. Donc, travaux dans, dans votre futur appartement, ça marche. Là. Est-ce qu'au niveau de vos déplacements, vous êtes véhiculé sur Nancy, vous comptez vous déplacer en voiture ou plus en transport en commun? Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas de moyen de locomotion. D'accord. Vous avez le permis ou pas du tout? Oui. D'accord. Je n'ai pas de moyen de locomotion pour l'instant. Ok. Mais j'aimerais bien une voiture. J'aimerais bien. Neuve, hein. Je comprends bien. On demandera
Ok, ça marche, donc permis, mais pas de voiture pour l'instant. Alors, si on parle un petit peu au niveau bancaire actuellement, est-ce que vous possédez déjà un compte? Ben, j'ose pas vous le dire parce que, en fait, c'est pas chez vous, quoi. C'est grave! On va remédier à ça. Ouais, mais enfin, moi j'ai un compte. Un compte courant. En fait, oui, il rentre l'argent que mes parents y mettent dessus. Quoi. D'accord, et que vous dépensez. Que je dépense. Ça marche. Des fois, il en reste un peu. Hein. Ah, c'est pas beaucoup. C'est bien. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous parler du plus important, le prêt pour financer vos études. Mmh. Et après, je vous parlerai des petites solutions qu'on peut proposer à côté. D'accord. Donc. Au Crédit Agricole, on propose un prêt jeune. Un prêt jeune, un prêt étudiant. Donc, il est possibilité d'emprunter jusqu'à 30 000 euros. Donc, on rentre dans votre budget, puisque vous m'avez parlé d'une somme de 20 000 euros. Mm-hmm. À savoir que si on emprunte 20 000 euros, on serait sur une moyenne si on part sur 5 ans, ce qui est un délai raisonnable sur un prêt de ce montant-là, avec des mensualités de 341,84 €. Donc ces mensualités, si j'ai bien compris, ce seront vos parents qui vous les rembourseront. Oui. D'accord. Mmh. Okay. Ah oui, je vais déjà avoir assez de boulot à l'école, je vais pas en plus travailler. Bon. D'accord, pas de problème. Donc je suppose qu'il n'y aura pas de problème pour vos parents, c'est votre caution. Pas de problème. Pas de soucis alors. Donc, vous pensez que une mensualité de 341 euros, ça pourrait convenir à vos parents? Vous en avez déjà discuté? Oh, oui, ils sont d'accord. Oui. Ils font quoi dans la vie, vos parents? C'est bien discret. Mon père est patron de Trois Leclerc et ma mère, elle est DRH dans une école de commerce. Ah, oh. Vous n'allez pas dans l'école de votre maman, quand même? Non. Ah, non. Bon, vous avez maman, c'est pas... Non. Ça marche. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un prix qui est intéressant parce que vous avez aussi un taux d'intérêt à 1% qui est donc privilégié pour les jeunes, comme vous le disiez, jusqu'à 30 ans, si je me bêtise, et qui vous permet donc de pouvoir financer vos études à un taux plutôt intéressant. À savoir qu'il y a également la possibilité, si vos parents souhaitent écourter la durée de ce prêt, de le rembourser en anticipé. D'accord. Ça, c'est une possibilité. Il faudra voir ça avec eux. Voilà, ça on pourra se rencontrer également avec vos parents. Voilà, avec vos parents, de toute façon on se rencontrera. Bien sûr. S'il y a... Pas de problème. Voilà. Donc, l'ouverture d'un prêt chez nous, c'est vrai qu'il est, plutôt nécessaire du coup d'ouvrir un compte chez nous pour pouvoir prélever de l'argent de ce crédit sur le compte courant que vous allez ouvrir chez nous. Donc, on a également des parcs jeunes, avec une carte bancaire. Vous avez une carte bancaire aussi à la BNP? Ah, bah oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Okay. Donc, on propose, nous, un parc jeune sur un compte bancaire, avec une carte qu'on appelle la Mosaïque M6, donc qui dispose de différents avantages. Vous avez la carte bancaire, donc, qui est gratuite la première année. Et ensuite, la cultivation est à 9 euros par an. Donc, et on a ensuite une option, le compte à composer, nous appelons ça, c'est à 2 euros par mois. Et ça vous permet de gérer votre compte avec une application directement sur votre smartphone. Je pense que vous en avez un. Oui, bien sûr. Voilà, du coup. Donc ça vous permet de suivre un petit peu vos dépenses, savoir où vous en êtes et juste faire demander un petit virement à papa et maman. Mmh. Et c'est effectif. Mais avec ces 30 000, je peux aussi faire ce que je veux, l'appartement, la voiture, l'ordinateur. Alors après, il existe aussi des... Alors là, on a... Si je les passe, c'est pas grave, quoi. Il vaut mieux, donc, du coup, partir sur les 20 000 euros, sur ce crédit jeune, 20 000 euros consacrés au financement de votre étude. Et après, si vous avez besoin d'argent en poche, si je puis dire, on a des solutions de prêt avec des montants qui peuvent aller de 500 à 1500 euros. Mais c'est cool, mais si vous dites à mes parents de payer 500 par mois au lieu de 341, peut-être que je peux avoir plus d'argent aussi. Oui, alors à savoir que celui-ci, il est à 1%. Le crédit jusqu'à 1500 euros, il est taux d'intérêt 0%. Donc vous êtes gagnant, c'est en gros 1500 euros que vous remboursez sans intérêt.
ça, ça peut être content. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est pour financer les travaux d'appartement, d'ordinateur. Très bien, très bien. Voilà. Voilà. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on se revoie avec vos parents. Et si qu'on signe un accord, enfin, si tout leur convient, qu'on signe un accord sur ben, le prêt pour votre crédit. Moi, je peux signer, j'imagine. Oui, ben, alors, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. On peut signer un accord. Donc, on est bien d'accord, vous n'avez pas de questions sur un prêt jeune à 20 000 euros. Et, ben, non. J'expliquerai à mes parents. Ok. Voilà. Et un petit avancement, donc, d'argent de poche pour. Financer les travaux de l'appartement, etc. Bon, c'est parfait, je vais vous faire un petit papier, une petite signature et tout sera bon. Parfait. Allez, je vous laisse signer en bas de la feuille. Et voilà, donc par contre, il faudra juste que j'ai un document de vos parents pour la caution, de comme quoi je vais vous les transmettre. Vous allez les appeler quand même. Bien sûr, ah, on va discuter ensemble, voir si quand même tout leur convient. D'accord, parfait. Voilà, mais j'ai été ravie de vous rencontrer, mademoiselle Lamont. Je vous souhaite un bon retour sur Toulouse et à sur Nancy. Merci, au Vous verrez, c'est vraiment une ville agréable et attractive, okay. D'autant sur le point culturel que festif. C'est, je viens de Toulon, donc bon, c'est très compliqué. Hein. Mais écoutez, je voulais justement un guide étudiant sur tout savoir sur Nancy, avec les bons plans, les sorties, tout ce qui est culturel. Voilà, je vous laisse ça. Bon, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous? Eh bien, j'ai trouvé un appartement. J'ai besoin de rénover certaines choses là-bas. Donc je vais regarder sur internet vos prêts étudiants déjà, ça m'intéresse. Et puis après j'aurai besoin aussi d'aménager cet appartement qui est bien situé, il est à côté de la fac, mais... dans le quartier de la Rose. Ouais, quartier de la Rose, donc voilà. Super, ouais. Super, ouais, oui, c'est bon, très bien placé. Ouais, mais l'appartement, j'ai pas mal de choses à faire à l'intérieur et après j'ai pas beaucoup d'équipement. Vous parlez de choses à faire à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut justement? À l'intérieur des meubles, quoi, c'est vide. D'accord. Voilà, ou un peu de tapisserie, j'aimerais mettre de la peinture peut-être, enfin, ça on verra peut-être plus tard. Oui, mais bon, c'est important quand même, qu'on se sente à l'aise chez soi. Et du coup, est-ce que vous avez déjà tout ce qui est par rapport à l'appartement, équipement, télé, ordinateur? Non, justement, ordinateur, imprimante, télé. D'accord. Voilà, pour démarrer. Ok, ordi, voilà. Imprimante, télé. Vous m'avez pas dit dans quelle école vous venez postuler? Lycéenne. D'accord, l'école de commerce. Ouais, c'est ça, ouais. C'est très bien d'être rentré dans cette école. C'est... Ouais. Et moi, je ne l'ai pas fait, mais d'accord. J'en ai entendu vraiment de bons échos. D'accord. Et apparemment, le concours d'entrée était solide. Hein. Ouais, mais... Donc, félicitations, c'est très bien. Ok, donc à ce jour, quelle solution bancaire vous avez? Je suis chez l'écureuil, je sais pas. Donc, bon, je n'ai pas... Je travaille un peu l'été, j'ai un peu l'argent des revenus cet été. Bon, s'il faut travailler le week-end, faire des extras dans les bars, quelque chose, je sais faire aussi, mais bon, avec ce matin-là, après les revenus, c'est compte courant, c'est mes parents qui me filent, enfin mon père surtout, parce que ma mère ne travaille plus, elle. D'accord. Voilà, donc mon père a un négoce de matériaux, bon, il a mon job, pas de problème. Voilà. Impec. Et du coup, vous êtes content de l'écureuil? Ouais, enfin, je suis content de l'écureuil.
Ouais, je suis content. J'ai pas vu d'offres pour l'instant chez eux qui correspondent à ce que vous proposez là, le prêt étudiant 1%. Ouais. Ça m'intéresse vraiment. On va en parler justement. Et qu'est-ce que vous attendez d'autre d'une banque, mis à part justement le prêt étudiant dont on va parler? Ben de si j'ai des agios, parce que je suis un peu, excusez-moi du terme, bordélique dans la tenue de mon compte. C'est-à-dire ben, je suis souvent en dépassement sur les crédits autorisés, tout ça. D'accord. Après, ça paye, hein, y a pas de problème, mais c'est que c'est juste dans les papiers, je suis un peu, voilà. Alors, aujourd'hui, vos revenus... J'ai besoin pour faire mes études, et puis j'ai besoin aussi de m'acheter des meubles, j'ai besoin de vivre un peu. D'accord. Comme je vous ai dit, s'il faut travailler un peu le week-end, pas de problème, mais j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Voilà. Alors, je ne veux pas dépendre que de mes parents. Voilà. Bien sûr, vos parents aujourd'hui vous donnent du coup quelque chose? Oui, ils me donnent, ouais, ils me payent le loyer déjà. Enfin, ouais. C'est déjà pas mal. C'est super, ouais, c'est super, j'ai beaucoup de chance. Ils vous payent le loyer. Sinon, je ne pourrais pas faire d'études. Hein. Ok, et le montant de vos études? 20 000 euros parce que stage en Angleterre, enfin, j'espère en Angleterre, donc stage de 3 mois. Ça se fait. Vous allez revenir bilingue? Ouais, j'espère, ouais. On va discuter en anglais après. Allez, bon, très bien. Donc du coup, vous êtes intéressé par un prêt étudiant. Donc si je récapitule, vous avez un appartement que vous venez de trouver dans la rue de la Rose. Voilà. Ok. Vous êtes pas loin? Moi, je suis dans la rue des Coquelicots, pas très loin. D'accord. Ça se marie bien. Ouais. Donc, du coup, vous cherchez un prêt étudiant de 20 000 euros à peu près pour financer vos études. Il vous faut également vous financer pour tout ce qui est ordinateur, imprimante, télé, puisqu'aujourd'hui, vous recevez un revenu de vos parents, mais uniquement pour payer votre loyer. Pour le loyer, voilà. Voilà. À ce jour, vous êtes chez l'écureuil. Voilà. Vous avez un compte courant. Mmh. Et d'ailleurs, ben, souvent, vous êtes en dépassement. Ouais, mais bon, ouais. Après, mes parents sont là, voilà. Mais... Bon, d'accord. Écoutez, donc, nous, l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner ici sur du long terme et de vous aider dans votre projet pour réussir sur Nancy. Mmh. Donc, par rapport à tout ça, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment un package de solutions pour pouvoir réussir et aboutir à tous vos projets ici. Donc, vous me parlez du prêt. Vous me parliez d'un prêt, donc ça tombe bien puisque chez nous, on a des prêts spécialement conçus pour les étudiants. Mm-hmm. Donc pour vous. Que voilà. Donc ça doit être sûrement l'offre que vous avez vue. Mm-hmm. Je viens de faire une simulation justement pour si vous empruntiez 20 000 euros, qu'est-ce mm-hmm. que ça donnerait mm-hmm. Donc sachez que. C'est le taux à 1% là, vous me parlez. C'est le taux à 1%. Et oui, c'est vraiment avantageux. Mm. Donc, si vous... On ne peut pas tout avoir à 1%. Tout avoir, c'est-à-dire C'est-à-dire, même si le prêt est à la conso ou autre pour mes loisirs, on ne peut pas tout faire passer dans le prêt... Ah, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Il y a vraiment des solutions conçues pour chaque besoin. Donc, on va en parler. D'abord, je vous propose qu'on parle de ce sujet, puisque mm-hmm. vous étiez venu pour ça. Mm-hmm. Mais ensuite, on parlera de toutes les autres solutions. Et comme vous n'avez que 10 minutes à me consacrer, si jamais... On n'a pas le temps, on reprogrammera un rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Ok ? Bon, allez. Donc, du coup, si vous empruntez 20 000 euros sur 5 ans, à un taux de 1%, vous aurez 60 mensualités de 331,84 euros. Ce qui ferait un coût total de 20 510,40 euros. Et donc, au final, vous aurez... payer comme intérêt seulement 510,40 euros, alors qu'avec une solution basique, vous auriez été au moins à 700-800. Donc, c'est vraiment un avantage en termes de coût d'opter pour notre banque. Les frais de dossier, c'est payant chez vous ou... Non. Alors, chez nous, plusieurs avantages d'opter pour cette solution. Mm-hmm. Vous n'avez pas de frais de dossier et vous avez, si jamais vous finissez, vous avez un job plus tôt, mm-hmm. vous pouvez rembourser de manière anticipée le prêt. C'est-à-dire que du coup, vous aurez moins d'intérêt. D'accord. Et ça sera encore plus avantageux D'accord. pour vous, D'accord. économiquement. Super. Ok ? Bon, on est bon sur ça. Ouais, ouais. Allez, on est bon sur ça. Donc ensuite, vous m'avez parlé qu'il fallait vous équiper en ordinateur, imprimante, télé. Alors, Ok, donc j'ai vraiment une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'aujourd'hui, pour vous équiper tout votre mobilier, tout ce qui est ordinateur, multimédia, je vous propose de vous faire un taux à 0%. Oh. Et oui, c'est ça.
ça de venir chez nous. Ah ouais. On est vraiment sur une relation de partenariat et vous avez vraiment des avantages considérables. D'accord. Voilà, donc un taux de 0%, c'est vraiment avantageux pour vous en termes de coûts. Et vous pouvez acheter tout ce qui est multimédia, ordinateur, etc. D'accord. Attention, attention, je tiens à être très vigilante sur un point. C'est que tout ça, il va falloir l'assurer. Ça a un coût, vous allez payer pour. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de l'assurer pendant la durée de vos études. Donc genre, je vais vous proposer un autre projet, qui est l'assurance tout mobile pour tout ce qui est technique. L'avantage, c'est que vous m'avez dit tout à l'heure que vous alliez partir faire un stage en Angleterre. Cette assurance est valable partout dans le monde. D'accord. Donc vous n'aurez aucun problème par rapport à ça. Un seul contrat qui couvrira l'ensemble des appareils. Ouais. Ça garantit sur les dommages matériels accident valable en cas de vol avec agression ou par effraction. Voilà. D'accord. Mais bon, je suppose que vous faites du judo ou quelque chose comme ça, pour ça vous défendre. Non ? Bon, alors, vous en avez d'autant plus besoin. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, très bien, ouais. Bon, alors, écoutez, on va partir du coup sur le prêt. Je note le prêt, l'assurance sur tout ce qui est mobile. Au niveau de l'habitation, est-ce que vous avez trouvé déjà un assureur ? Non, pas encore. Je pensais demander l'assurance de mes parents, mais est-ce que vous avez quelque chose à proposer, ouais. Alors, vous savez déjà ce qu'ils peuvent vous proposer ou... Non, pas du tout. D'accord. Du tout. Bon, mais... Moi, j'aime bien faire confiance, après, je ne veux pas être déçu. Voilà. D'accord. Si je m'aperçois après que votre offre n'est pas la meilleure, voilà, ça va. Ça m'énervera. Pas de raison, vous pouvez. J'ai pas envie de vous voir énerver, moi. Voilà. Je fais du judo finalement. Ouh là là. Et moi, j'ai une ceinture noire, donc bon. Alors, donc du coup, au niveau de l'assurance habitation, ouais. Nous avons une formule, tout compris, à 66 euros par an. D'accord. Voilà. 66 euros par an, c'est quoi ? 6 McDo. C'est pour un nombre de mètres carrés limité ou Ah non, pas du tout. Non, mais je sais pas. Donc, le premier qualifié à la finale d'Épinal, arrivant, on va commencer par la fin, arrivant à la 9e place, c'est mademoiselle Lorraine Lajournave. La 8e place est pour mademoiselle Chloé Pires. Et en direction d'Épinal, mademoiselle Hélène Habib. En 6e place, le seul et unique
Monsieur Marty Guillaume. Mademoiselle Maëva Dizi. Mademoiselle Sonia Quiroz. À la troisième place, je vous rappelle que c'est Monsieur Benjamin Mérelet. Et donc, pour le moment, encore plus de soirée, je vais commencer par la première. La première place du challenge Les Négociales Haute Garonne 2016 revient à Mademoiselle Manon Bornenfant. Donc, mesdames, messieurs, je vous présente les 6 représentants Haute-Garonne à la finale des finales pour les négociables. Les
deuxième année de lycée. Merci à vous. Et la prochaine, on en prend au week-end à tous bien mérité. Et merci à la prochaine.